Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui, comme vous le savez, est en partenariat avec le site PMU.fr, comme vous le voyez, plusieurs liens sur notre site turst-fr.com pour accéder à notre partenaire. On va parler du Quintée Plus hein, de ce mercredi 13 juillet qui aura lieu sur l'hippodrome d'Anguin. Ce sera la première réunion, la huitième et dernière course du programme, hein, prévue vers 20h15, le prix de l'Opéra. Une course intéressante, euh, des 7 à 10 ans, n'ayant pas gagné 290 000 euros euh, qui seront au départ. 16 concurrents, on a fait le plein de partants 2150 mètres à, à parcourir avec l'aide de l'Autostar, donc un parcours toujours un peu spécial. Et euh, je pense que les places euh, derrière la voiture vont vraiment être déterminantes dans cette course. On va faire tout de suite euh, le point. Avec le cheval que j'ai retenu en tête, en tête, pardon, il s'agit euh, du numéro 2 euh, Esperanzo. Il a mis un petit peu de temps hein, à retrouver euh, la bonne carburation, euh, ce Esperanzo, mais c'est chose faite. Hein, il l'a prouvé dernièrement sur l'hippodrome euh, de Vincennes. C'était déjà sur un parcours de vitesse. Hein. Il s'est vraiment très bien comporté euh, pour euh, prendre le premier accès site, montrant qu'il était vraiment revenu au mieux. Euh, là, l'engagement est vraiment très intéressant. Euh, Déferré euh, des quatre pieds. Euh, Rien de plus à ajouter, hein. c'était un super cheval. Euh, S'il revient vraiment au niveau qu'il a montré avant d'être euh, un peu sur la touche, euh, je pense qu'il devrait vraiment rapidement renouer avec la victoire et peut-être euh, dès ce mercredi. Ensuite j'ai retenu le numéro 11 Farel 7 a vraiment réalisé de drôles de performances hein, ces, derniers, ces derniers mois. Il a réalisé un superbe hiver sur l'Hippodrome de Vincennes. Dans la foulée, un beau printemps. Il avait remporté même deux quintés sur l'Hippodrome de Vichy. Euh, dernièrement, c'était un peu moyen. Euh, disqualifié euh, dans euh, l'étape du GNT euh, du côté euh, du Croisé-La Roche, euh, alors qu'il était encore en lice pour euh, au moins euh, des belles places. Et puis euh, ensuite, septième seulement à Vincennes. Euh, du coup, euh, son entraîneur lui a redonné un peu de fraîcheur, hein, Jean-Michel. Bazir euh, qui lui a donné euh, un petit peu euh, un peu de morale comme ça et puis il vient de recourir du côté de Sablé-sur-Sarthe euh, en vue de cette épreuve. Il est efféré. Là, il sera déféré des quatre pieds. Alors oui, il part en seconde ligne. Maintenant, il faut savoir qu'il n'a couru qu'une seule fois euh, sur ce parcours. Il s'y est imposé. Donc voilà, une seule tentative, une seule tentative à en gain euh, sur ce tracé. Une victoire, j'ai envie de vous dire que c'est vraiment pas mal. Et c'était avec Nicolas Bazir, il me semble. Euh, donc euh, vraiment un tandem qui marche bien. Euh, voilà, malgré la position en seconde ligne, je pense qu'il est tout à fait capable euh, de lutter pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu euh, le numéro 4, East Food Park qui vient de réaliser une rentrée victorieuse. Hein. C'était sur l'Hippodrome d'Avignon, après euh, plusieurs mois d'absence. Un concurrent qui adore ce parcours. Hein. Il y a couru euh, plus d'une dizaine de fois, il me semble. En tout cas, il a, il a beaucoup de performances sur la piste d'Enguin. Il a déjà gagné sur ce parcours. Il a même déjà battu euh, des chevaux euh, qui ont euh, montré de la qualité hein, une autre, euh, dans une autre valeur. Donc, j'ai envie de vous dire, avec cet engagement en étant euh, ce numéro 4 euh, derrière la voiture. Eric Raffin qui est au, au Sulky, beaucoup d'atouts dans son jeu. Euh, S'il n'accuse pas le coup de la deuxième course, vous savez, la, la fameuse deuxième course après une rentrée peut parfois être un peu moins bonne. Euh, je pense vraiment qu'il a une très belle carte à jouer à ce niveau-là. Ensuite, j'ai retenu le numéro 8, euh, faulé Buissonnet qui est en grande forme, euh, qui est très régulier, il vient de s'imposer avec son partenaire hein, Arnaud Chavatte, euh, Donc voilà un tandem qui marche bien, il sera déféré euh, des euh, quatre pieds. Voilà, maintenant la seule petite chose qui m'embête, c'est ce numéro 8. Euh, c'est jamais évident euh, sur ce parcours, surtout qu'il y a 16 partants. Donc du coup, il euh, va falloir vraiment bien négocier euh, ce numéro tout en dehors au départ. Euh, maintenant, s'il arrive à partir euh, de belle manière et à rapidement bien se placer, je pense qu'il devrait faire sa course et également euh, lutter pour les belles places. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position. Le numéro 13, Vlad de Del Ronco. C'était pas si mal hein, la dernière fois sur l'hippodrome de Vincennes. C'est un concurrent qui adore cette piste d'engin également. Il a souvent bien fait sur ce parcours. Maintenant, il a toujours été un petit peu malheureux à plusieurs reprises. C'est un cheval qui a besoin de courir caché. Il partait souvent en deuxième ligne, comme ce sera le cas ce mercredi. Et en général, quand il y avait pas mal de lotoufus, il se retrouve un petit peu malheureux à chercher le passage et à finir très plaisamment. Donc voilà, c'est le seul petit bémol que je peux émettre pour ce concurrent qui, avant le coup, est dans sa catégorie, qui a une aptitude à ce parcours. Ce sera une question de déroulement de course, comme je vous l'ai dit. Mais si il arrive à trouver les bons dos pour se faire ramener et qu'il trouve le jour au moment opportun, attention à lui. Il est même capable de faire mieux que cinquième avant le coup. Je pense qu'il est vraiment en mesure de lutter pour une place sur le podium. Mais il faudra que ça se passe bien. Donc voilà pour ce numéro 13, Vlad Del Ronco. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu l'As Elisca Berry. Il faut savoir qu'après les cinq concurrents que je viens de citer qui me plaisent tout particulièrement, c'est très ouvert. Euh, S'il peut y avoir des surprises, voilà, j'ai tenté quelques petits trucs avec cette euh, As ah, Eliska Berry. Hugues Montulé euh, qui sera au sulky l'a déjà mené euh, au succès. Euh, cette jument qui sera cette fois-ci déférée des quatre pieds la dernière fois. On courait vraiment sans ambition en étant ferré. Là, je vous l'ai dit, hein, avec le numéro 1 derrière la voiture, je pense que ça peut bien se passer, surtout qu'elle va attendre. Euh, donc voilà, un parcours côté corde. Si elle bénéficie d'un parcours favorable, pourquoi pas pour une 4-5e place C'est un des petits outsiders qui me plaît tout particulièrement. Autre outsider qui me plaît, euh, le numéro 3, Eagle Melois, qui sera déféré des antérieurs. Alors vous voyez, ses dernières performances, ce n'est pas extraordinaire. Maintenant j'ai regardé, c'est un cheval euh, qui a souvent très bien fait du côté d'Enguin. Il manque un peu de référence hein, sur les parcours de vitesse. Il n'a couru qu'une seule fois euh, sur un parcours de vitesse à l'autostart, c'était du côté de Vincennes et il a fait l'arrivée. Euh, donc euh, voilà, malgré son manque d'expérience, il a quand même déjà bien fait sur ce type de tracé. Il a son aptitude à la piste d'Enguin. Euh, je me dis pourquoi pas, euh, c'est vrai que Pierre Belloche n'a pas de préférence entre ces deux pensionnaires et celui-là, euh, je trouve vraiment euh, qu'il a tout du profil euh, d'outsider et de trouble fait, donc euh, je l'ai retenu en septième position euh, pour les amateurs de sensations fortes. Et enfin en cas de en huitième position, pardon, j'ai retenu ce numéro 5 euh, Dream Cash qui n'a aucune marge. Hein. Euh, C'est un cheval euh, qui apprécie ce parcours, mais il a vraiment besoin de longer le mur, euh, de longer le rail et d'espérer que ça s'ouvre pour faire l'arrivée. Euh, il a un bon numéro derrière la voiture, son partenaire le connaît bien. Il a déjà fait l'arrivée hein, dans un quintet euh, sur ce tracé. Je me dis pourquoi pas. Euh, L'engagement est vraiment assez favorable. Et euh, s'il peut y avoir une autre surprise, ce sera peut être ce numéro 5. Et en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 6, Forum Mélois, le second atout de Pierre Béloche en fin d'hiver. Il avait terminé troisième euh, sur ce parcours. Euh, la performance était très bonne. Maintenant, il ne l'a pas répété. Hein. Il a une bonne quatrième place. Euh, cela dit, euh, je crois que c'était sur herbe. Hein. Il a peaufiné euh, sa forme sur des pistes euh, en herbe ces derniers temps, euh, notamment dans le Trophée Vert. Euh, voilà, j'ai besoin qu'il me rassure pour son retour euh, sur euh, une piste en dur. Mais euh, vu ce qu'il avait montré euh, en fin d'hiver sur ce parcours. Pourquoi pas pour une place En tout cas, comme je vous l'ai dit, Pierre Véloche n'a aucune préférence entre ses deux partenaires et lui aussi est sans doute compétitif pour une petite place. On va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec le numéro 2 devant le 11, le 4, le 8, le 13, l'As, le 3 et le 5. Et en cas de non partant, le numéro 6. Voilà, vous savez tout pour le Quintet Plus. Ce sera donc en réunion 1, la course 8, prévue à 20h15. Vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site PMU.fr. Vous le voyez, hein, vous avez jusqu'à 200 euros d'offert avec votre premier dépôt qui est doublé pour toute nouvelle ouverture de compte. Donc n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens qui se trouvent sur notre site turf-fr.com ou alors vous pouvez tout simplement vous connecter également à votre compte via notre plateforme. Comme conseil de jeu, ce lundi, ce mercredi, pardon, c'est pas forcément si évident que ça maintenant. Le numéro 2 et le numéro 11, c'est vraiment des bases qui me plaisent tout particulièrement. Pour les autres, ce sera vraiment une question de parcours. Le 4, j'aime beaucoup aussi. J'ai un petit peu peur de la deuxième course après une bonne rentrée. Mais 2 et 11, en tout cas, c'est vraiment les deux chevaux qui me semblent être des bases très intéressantes pour les IQT ou les IQTE ou encore. En I2 sur 4 en tout cas, n'hésitez pas à suivre ma sélection également qui me semble disposer de, de bonnes chances. On va parler du Quintet qui s'est disputé ce lundi, c'était sur l'Hippodrome des Sables d'Olonne, une arrivée de favoris. De, de favoris. Euh, voilà, je vous donnais le quintet en, en si je faut, je ne donnais pas l'ordre, hein, je voulais vraiment mettre le 7 en tête, qui euh, nettement battu Eric Raffin, euh, un, un local qui a vraiment euh, fait ce qu'il a voulu en prenant tête et corde, euh, donc euh, voilà, comme vous le voyez, hein, 5, 7, 11, 13 et 6. Euh, pareil hein, pour euh, nos deux sélections, euh, Top Prono et Ture Section qui vous indiquaient euh, Tier quarté, Quinté Tier C autre quand même pour Top Prono Mais regardez euh, des beaux trios euh, Regardez Top Prono qui vous indiquait un trio à 1539 et un autre à 452 notamment Et puis du côté euh, de Ture Section on n'était pas en reste hein, 534 ou encore 280, 250 euros, donc une belle journée de la part de nos deux rubriques. Vous pouvez tester nos, nos pronostics avec l'offre découverte à partir de 1 euro euh, par mois sur le site turf-fr.com, donc n'hésitez pas à euh, venir vous abonner ou alors nous contacter via cette vidéo ou les réseaux sociaux euh, pour euh, que nous vous aidions à créer votre compte VIP. Moi, je vous remercie d'avoir suivi euh, cette vidéo. Euh, vous pouvez la partager ou bien la liker si vous l'avez appréciée. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos si ce n'est pas encore fait. Et également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les pronostics et tous les commentaires euh, chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement au site turf-fr.com, au prono VIP. Je vous retrouve dès jeudi pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye